avion venait avec lui. Ou bien, quand tu l'auras pas fort, il doit rentrer. Oh. Il doit rentrer. Quand tu l'auras pas fort, il doit rentrer. Oh. Il doit rentrer. Le oui dit de papa. Oh. Il doit rentrer. Oh. Le Woody de Mama doit rentrer. Bonsoir les amis. Je sais qu'il y a d'autres qui sont en train de dire ah, Edo n'a pas posté le soir là, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Non mais quand même les amis, on a déjà eu le bruit de vidéo hier soir là et puis un peu le matin là. Ou bien, donc je voulais vous laisser vous reposer un peu là. Ou bien, ah c'est dimanche hein. Mais les amis, il y a trop de messages, il reçoit les messages, ça finit pas. Il dit donc Edo doit pas se reposer un peu. Donc Edo doit pas faire son placali. Donc Edo doit pas faire sa sauce gombo. Donc Edo doit pas faire sa sauce graine. Donc Edo doit pas. Bon, j'ai laissé tout ça là. J'ai dit ok. Comme tout est cuit maintenant, attends, j'ai venu et puis on parlait un peu. Les amis, il y a trop de messages. Je sais même pas par où commencer. Ok, on va commencer par le fils du président Gbagbo. Il parle de son vrai fils Michel Gbagbo et pas son fils adoptif Charles Bleu-Goudé. Non, non, non. On va parler de Charles Bleu-Goudé tout à l'heure. Mais pour l'heure, je parle de Michel Gbagbo. Il était aujourd'hui. Parce que je ne sais pas si vous savez, il était au funérailles la dernière fois, tout ça, quand nos martyrs avaient été enterrés, tout ça. Donc, il aide. Il est vraiment impliqué. Donc, aujourd'hui, là, il est allé dans le Lébutou. Parce que vous savez ce qu'ils ont vécu pendant. Donc, il est allé vraiment pour apporter le soutien du FPI. Voilà. Donc, en tout cas, les gens les ont bien accueillis. Le groupe du FPI qui était là-bas, vraiment, ils ont été bien accueillis. Merci aux Adjoukro. Donc, j'ai dit, quand je regarde les vidéos, même, les photos, ça me touche tellement. Regarde les mamans, les mémés. Elles veulent tellement lui faire tout. Mais à cause de leur maladie, on ne peut pas faire tout. Il est obligé. Et la femme, là, même, a ouvert ses bras comme ça, elle voulait faire tout. Vraiment, merci beaucoup à la délégation du FPI. Merci à Michel Gbagbo. C'est vraiment touchant ce qu'il a fait aujourd'hui, là encore. Vraiment, c'était vraiment bien. Oui, en tout cas, on dit les villages qu'il a visités, là, c'était les villages de Grand Badien et Yassap. Voilà, c'est là-bas qu'il était. Il a, d'une part, rencontré les blessés des manifestations contre le troisième mandat, là, afin de leur exprimer la compassion et le soutien du FPI et du président Laurent Gbagbo. Et d'autre part aussi, Michel Gbagbo et la délégation là ont eu à communier avec les populations de ces villages sorties nombreuses pour l'occasion. Ils étaient vraiment contents aussi d'apprendre que le président Laurent Gbagbo était en route. Voilà, donc on dit que vraiment leur joie là, on ne pouvait pas décrire leur joie là. C'était indescriptible, vraiment, tellement ils étaient contents. Voilà, donc ça c'était pour les populations du Lébutou. Force à vous les Adjoukro. Maintenant, nous passons maintenant du côté maintenant de mon frère Charles Bleu-Goudé. Oui, la dernière fois, il a fait une vidéo pour vous dire que chacun s'assoit sur son caillou. Vous ne savez pas le caillou que la personne a. Et puis, vous êtes en train de dire que, ah, pourquoi le président Gbagbo est en train de partir sans son fils. Ok, voilà, Bleu-Goudé, Charles Bleu-Goudé, l'ex-ministre Charles Bleu-Goudé, lui-même a fait un communiqué. Il dit que le président Laurent Gbagbo lui-même a pris son téléphone pour l'appeler. Voilà, voilà, il a appelé pour lui faire part de cette histoire des passeports. Voilà. Il dit, le 4 décembre 2020, par un appel téléphonique, le président Laurent Gbagbo a personnellement tenu à me donner de vive voix l'information de la délivrance de ses passeports diplomatiques et ordinaires par les autorités ivoiriennes. Je tiens ici à lui dire merci pour cette démarche d'humilité envers ma personne
et de la haute idée qu'il continue d'avoir de ce que nous avons vécu et partagé ensemble dans la prison internationale de Scheveningen. Je saisis la présente occasion pour féliciter le président Gbagbo, qui, en sa qualité de leader, qui porte notre cause commune, il a pris sur lui la responsabilité d'ouvrir le chemin de notre retour vers la mère patrie. Vous avez bien entendu, non? Notre retour. Vous voulez qu'il parle encore? Eh oui, en effet, si les portes de la prison se sont ouvertes le 1er février 2019, la délivrance des passeports du président Gbagbo vient d'ouvrir la porte de notre retour vers Abidjan. J'ai toujours cru, et mon avis reste invariable, que la place de Laurent Gbagbo est auprès du peuple de Côte d'Ivoire. Son retour en terre natale pourra grandement contribuer à l'apaisement de la situation sociopolitique altérée. Fait à La Haye le 6 décembre 2020, Chablé Goudé. Hé, les amis, oh, tcha! C'est beau à voir hein, quand tu es fidèle à quelqu'un. Hey, c'est tellement beau à voir. N'est-ce pas beau ça? Regarde comment ils sont tout beaux. Ah! Bon, les amis, on termine la vidéo avec le tonton Adjoum. Il a gâté le coin la dernière fois. Là. Il n'avait pas voulu poster la vidéo. Là, mais depuis, les gens disent, hey, donc, tu n'as pas vu ça, tu n'as pas vu ça. Mais juste la fin. En fait, ce qui s'était passé, c'est que le Parti Socialiste Français là, demandait la libération de tous les prisonniers politiques. Ils étaient en train de condamner. Ils ont condamné, voilà, dans leur discours, ils condamnaient tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et ils demandaient à ce que tout le monde soit libéré. Donc, le tonton Adjoum était en poule. Il a fait un discours là. C'est long. Il avait fait ça pendant 9 minutes. Mais moi, j'aime mettre peut-être les 4 dernières minutes là. Et surtout, regardez la fin, vous allez voir. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a eu? Qui était derrière lui? Qui l'attendait? Qui l'a forcé à lire? Regardez, et puis on continue. Par ailleurs, la création du CNT serait-elle une inspiration du Parti Socialiste Français? En d'autres termes, est-ce M. Olivier Faure qui a conseillé le président du FPI de se lancer dans une telle action séditieuse pour venir aujourd'hui exiger sa libération sans condition? Comme si cet acte n'était pas constitutif d'une infraction pénale. Nous nous souvenons que lorsque certaines personnalités du Parti Socialiste Français débarquaient à Abidjan, ils préféraient la bamboula dans les hauts lieux de débauche et de prostitution en compagnie de l'ex-président ivoirien plutôt que de le conseiller utilement. Le Parti Socialiste, nous le savons tous, est un parti de jouisseurs qui ne crée pas de richesse, mais qui veut partager la richesse. Et c'est l'une des raisons de son déclin. En tout état de cause, M. Olivier Faure, qu'il sache, oui, que M. Olivier Faure sache que la Côte d'Ivoire, sous le président Alassane Ouattara, a changé. Le pays avance. Il n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire des années 2000, sous Laurent Gbagbo, le poulain des socialistes. D'ailleurs, nous invitons M. Faure à faire un tour à Abidjan pour constater la merveilleuse métamorphose, une capitale en plein essor, à l'instar de tout le pays. En tant que libéral, le président Alassane Ouattara a fait du social et de la paix son cheval de bataille. Nous avons pour preuve les importantes ressources allouées pour soutenir des projets allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations, de la promotion de l'emploi jeune et de l'autonomisation des femmes. Le RHDP voudrait vous rappeler que le président Alassane Ouattara, bien que se trouvant en situation de légitime défense face à une opposition violente, n'a pas attendu d'être interpellé par le Parti Socialiste pour engager le dialogue politique avec le chef de file de l'opposition, M. Henri Konan Bédier. Mieux, certaines personnalités de l'opposition
qui avaient été interpellés à la sortie des récents événements ont été relâchés. Des mesures de restriction des libertés de mouvement d'autres membres de l'opposition ont été levées. Toutes ces initiatives témoignent de la volonté du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, d'aller à l'apaisement et à la paix. Nous invitons par conséquent le Parti socialiste français à changer les lunettes avec lesquelles il scrute l'actualité ivoirienne s'il veut voir les choses plus clairement. Pour le RHDP, le porte-parole principal, le ministre Kobena Kwasi Adjumani. Je vous remercie. Aïe, le tonton Adjoum, qui t'a fâché? Eh, Parti socialiste, vous avez eu affaire, oh. Donc les amis, nous tirons à la fin de notre vidéo, oh. Laissez un commentaire par rapport aux trois sujets, là, voilà. Nous avons parlé de la visite de Michel Gbagbo dans le Lébutou. Voilà, laissez un commentaire, qu'en pensez-vous? Nous avons aussi parlé de la déclaration, oui, le communiqué du ministre, l'ex-ministre Charles Blé Goudé. Voilà. Et puis, pour clôturer, on a terminé avec le tonton Adjoum. Ok les amis, on se parle tout à l'heure. Bye bye. Dédicace à Kenoli Josué Légré, qui deux fois de suite a été le premier à commenter sur les vidéos. Dédicace à lui, aïe, aïe. Et à mes frères et sœurs guéris, assez, oh, assez. Bounansi, oh, les acquis, Bounansi. Ok, les amis, à tout à l'heure. Mettez-le dans le même avion, venez avec lui, oh. Ou bien, Koudou l'aura pas, oh. Il doit rentrer, oh. Il doit rentrer. Koudou l'aura pas, oh. Il doit rentrer, oh. Il doit rentrer. Le Witi de papa, oh. Il doit rentrer, oh. Il doit rentrer. Il doit rentrer.